Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à ce programme spécial de possession de ton année 2024. Oui, Dieu t'invite à marcher dans la domination. Alors lève-toi et proclame pour le compte du mois d'avril 2024. Jour 3. Je consacre nos projets et nos finances à Dieu pour ce mois d'avril. Père, je te rends grâce pour les projets et les finances manifestés en ce mois d'avril pour moi et ma famille. Je reconnais que l'or et l'argent t'appartiennent. Et qu'en tant que mon berger et celui de ma famille, nous ne manquerons de rien. Moi et ma famille confessons qu'il est dans la volonté de Dieu que nous soyons bénis financièrement. Je refuse la mentalité de pauvreté et de misère. Et je prends ma position de fils du royaume pour appeler à la manifestation tous les canaux d'ouverture et de bénédiction financière que tu as prévu pour moi et ma famille en ce mois. Père, donne à moi et ma famille la bonne gestion des finances. Apprends-nous à payer nos dîmes et à t'apporter nos offrandes avec joie, humilité et honnêteté. Apprends-nous à donner à ceux qui sont dans le besoin, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Donne-nous des stratégies et la sagesse pour acquérir des richesses de façon intègre et glorifier ainsi ton nom dans ce monde. Je brise toute formule de limitation financière sur ma vie et la vie des membres de ma famille. Tous nos projets désirés selon la volonté de Dieu sont financés. Je me lève contre tout joug de dette contractée volontairement ou involontairement par moi ou un membre de ma famille. Je le brise maintenant et je déclare le remboursement dans le plus bref délai au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis financièrement tous ceux qui nous doivent de l'argent et mets dans leur cœur l'inconfort de garder notre argent afin qu'ils nous remboursent. C'est pourquoi je commande à toutes les portes de finance de s'ouvrir au nom de Jésus. Père, envoie la pluie sur ma terre et la terre de ma famille et bénis l'œuvre de mes mains, car c'est toi qui donnes la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Je crois et je dis Amen.